Mingi, mercredi 18 septembre 2024. Alors, Togo Bela Bongo, arrestation des opposants et résistants politiques, décryptage du dossier Kikuni et puis transport aérien, quid de la situation de Congo Airways. Boza, Kinshasa, un peu partout dans le monde. Bonjour à tous, monsieur Henri Tshimbalanganda. Je suis débatteur de la Bissot, que comme d'habitude, je suis un souci à RDC. Je suis de Bissot. J'espère qu'on va passer de très bons moments. Plateau et Salah Bissot, tu as colobé la Makamoyambok, tu as colobé ta Masolo et à. Il y a ma vie privée dans Bissoté, mais il y a Bongo Pona Colombie, la Macambo, Italie et Colo Congo parce que ce qui est au batterie Kimia, na Oezali ko les Kanamala monté, il faut dire tout de suite là qu'on devient complice. Il y a mon Bissoto Zaka, Nama proptitude, Oana, Koya, Soko Bengi, tu y a un allemand peut être Bakongomani, Bakota, Namongo, Nabisso Bélé. Maintenant. Mbote mingi maman Myriam matondo na pesi pe mbote na balandi nyonso bazolanda biso bandeko na ngai na plateau ndeko ya Tshimbalanga na ndeko na moni pona mbala liboso na banzeke tokoyeba na au cours ya débat maman Naomi na lingina loba eloko Maria parce que nous sommes invités donc vous êtes des sœurs si à moi donc donc Maria. Par rapport, j'ai constaté que dépravation des mœurs et atteindre un niveau Moussousou, au point qu'il y a certaines personnes qui s'attaquent même aux hommes de Dieu, à nos pères spirituels. Nous sommes un pays laïque, mais chacun a sa foi. Et à un certain niveau, lorsque on touche à un père spirituel, malgré que nous sommes politiques, mais le pays est dirigé aussi dans une dimension aussi spirituelle. Alors, il y a un homme de Dieu qui est victime, il y a diabolisation, c'est l'homme de Dieu Kabundiwalesa, qui est un père pour cette nation, qui a fait beaucoup de choses. Depuis Mobutu, il a prié pour la nation. Depuis Kabila, il a prié pour la nation. Et jusqu'aujourd'hui, il est en train de prier pour la nation. Et d'ailleurs, il a même conseillé au président de la République qui va dédier Mboka na biso na maboko nzambe. Alors, voir un grand homme de Dieu comme ça, qui est aussi plongé dans les œuvres sociales, qui prie pour la nation, qui est impliqué même dans des projets de développement, parce que pour votre information, il est en cours de construire un grand hôtel, 5 étoiles au niveau de Mbuji-Mayi. Ici, il aide les démunis. Il n'est pas dans les réseaux sociaux, il n'est pas dans les polémiques inutiles. Mais nous constatons qu'il y a certaines personnes, il y a des labos dans les officines obscures qui se mettent ensemble pour ternir l'image d'un grand homme comme ça. Je crois que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il était important que les Congolais te respecter les Konzi Yamboka, te respecter les Konzi ecclésiastique, notamment Batulokola Bakabundiwalesa, qui sont une référence ici, qui sont des personnes très respectées, très considérées, Oyo Bazalaka, plongé à l'antivaleur. Alors quand on s'attaque à des hommes comme ça, je crois que ce n'est pas du tout bon. Très bien, Déco Trésor. Déco Henri, opposants, bah, de plus en plus arrêtés. Est-ce que c'est parce que vérité, les autres, ça la passe? Merci, Mingi, Namo Tunawana. Quand c'est que ce sujet-là, ça malam. Pour les autres, c'est matière à réflexion. Puis moi, ma cambo et singeli, tout le banaba konzi. Et principalement, le président de la République. Pour Nanini, les lois bakangi Seth Kikuni, parce qu'il s'agit de ça. Nakanisi qu'au départ, ce n'est pas son arrestation où ils allaient inquiéter ngai, parce que naba propos naie, ils allaient qui peut malamonter, puis ils allaient qui coffriser. Appel à cette sorte de tribalisme. Et comme il a dit, on a kilo, il y a propos pour les conséquences incalculables. Mais là où on a personnellement et commis péco, on a c'est quoi? Pour les mêmes causes ou les mêmes faits, et tout le monde a les réseaux sociaux, ils ont coupé la moto. Na oyo sœur na biso ya mwasi oyo a hésiteraté ko se présenter le la petite sœur du chef, le la femme du pouvoir, Mais biloko azako sala. D'abord, je suis étonné, il y a comment que et les services de sécurité, il y a une sorte de léthargie, même pas léthargie, tout comme en complicité pour un. Parmi les engagements minés, le président Félix Tshisekedi Azwaki, jour à prestation de serment na un mandat né à Liboso, à l'obaki que a humaniser les services de sécurité, notamment ANR. Yangoana a bénissé quand même l'expert militaire au condamné Jean-Jacques Wondo pour que aya na mission na ko humaniser. Mais tant aussi ko mutu soi-disant petite sœur na yo azako affirmé parmi tant d'autres na ba réseaux sociaux que na ba service wana bazako sodomiser batu. Bazaliko donc toko sala yango même na Seth Kikuni toko sala yango tina mwasi na ye et bon ba service wana quand on vous incrimine boye ezala ya solo toté tant qu'il n'y a pas de réplique, c'est-à-dire vous endossez et boye ba ke ba vidéo nyonso oyo ele kaka ba tretaka yango na ba ambassade nyonso bozomona awa na RDC et ça donne quelle image kaka même personne wana ba propos azo ça l'apologie à tribalisme ba kangi était alors na l'air wana nga personnellement na komona susu tina ya kokanga ba misusu po bazai ya opposition be ba oyo bazako tout atolo ke toza ya pouvoir bokanga bango te wana ezali injustice il faut ko corriger yango sinon te botika batu nyonso botika pe Kikuni aza libre parce qu'on ne saura pas comprendre le comportement. La même dame là a dérangé tout le monde. Et par là, j'ai pitié du pauvre Christian Bossembe. Dans mon salon, il y a ses sacs. Il y a que ça là que le contenu dans les médias, ils allaient bien. Logiquement, il y a le kouta, il y a le côté comique. Non, il y a les réseaux sociaux. Mais quand il y a les réseaux sociaux, il n'y a pas de tout. Donc, il y a des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, mais réseaux sociaux. Je ne pense pas que ça soit juste devant tous les Congolais. Parce que il y a Congolais, danger incalculable. Très bien, Deko Henri. Deko Francis, est-ce que l'arrestation, il y a opposant les lots, parce que la vérité, ça la passe. Merci. Merci beaucoup, Madame Maria, parce que il faut tout le bas que moni mabe sokiza mabe, il faut tout yekola koloba yango. Très bien. Et puis tant tozo yekola koloba ke oiza mabe culture wana il faut ezala pour tout le monde. On est en train de dénoncer. Qu'on débattait en langage juste à côté. Il vient de relever un petit cas parmi tant d'autres d'une dame qui ne se cache pas, qui présente son identité comme l'ex-président de la République, mais qui est libre. Invitée au niveau de ses sacs, elle s'en fout à Robert Okende parce qu'elle est protégée par, je ne sais pas, pour c'est elle qui le dit, par la famille présidentielle. Si il y a une justice propre, et il y a une autre pour les gens qui se réclament de la famille du chef de l'État. Alors que nous sommes dans un régime oyo. Au début, on nous a fait croire que c'est un état de droit. Parce que quand on a sorti ça, il y a état de droit. Mais boni to comme un état de droit, pour le même fait, mais bamoussus en liberté, ils sont en train d'exceller dans le même pratique. Je ne sais pas quelle idée on imprime dans les esprits des Congolais. Non, côté à Jean-Marc Kaboun, Mike Mukebayi, oyo ti lelo ana prison a ebite pour ani bakangiye. Ponani na vandi kuna. Il est en prison à Makala par une lettre à procureur sans déterminer le fait. Lelo tolobeli Seth Kikuni. On reproche quoi à Seth Kikuni? Il faut d'abord voir la procédure de son arrestation. Je ne sais pas. Comme la culture, bah service, bah au salon, tu quoi les vagabats. Non, non. Ce sont des services étatiques, des services officiels de l'État congolais. Il y a une procédure pour interpeller, pour arrêter quelqu'un. L'UDPS au pouvoir, on a décrié toutes ces pratiques-là parce qu'on considérait qu'ils allaient m'abé. Mais aujourd'hui, on a l'UDPS avec ses 37 ans de lutte dans l'opposition qui nous a donné l'idée de venir quand même corriger ce qu'on a condamné hier. Non, Ozoya, même pas qu'on a un document, donc à un moment donné, tu peux faire un affrontement avec les services officiels de l'État. Parce qu'il se présente sans document, ça ressemble à un enlèvement. Et des camps comme ça sont les gens. On reproche à Seth Kikuni la désobéissance, je ne sais pas, j'ai vu quelque chose comme ça, désobéissance civique. Madame, depuis quand Kolobanamoutou, je n'encourage pas d'autres propos, parce qu'il y a des propos comme on doit défendre ma valeur et à solo. Je ne peux pas le répéter sur un plateau de télé. Mais quant à la désobéissance civique, Koloba na Congolais était binonde ba kolo richesse. Mais batu mususu ba ko bénéficier na richesse wana bino bozo souffrir. Wana appel à la désobéissance. Et plutôt c'est aider ba o ba ko kamamboka pona ko éviter Batu mususu ba se sentaka lésé. On ne peut pas empêcher à un Congolais de crier, de revendiquer ce droit. Moi, je le ferai chaque jour. Et même sur ce plateau, je le dis, vous qui êtes Congolais comme moi, il y a un groupe de gens au Baako Lia, Soupandaka, le lobby Mike Mukebayi. Baako Lia, Soupandaka, la Bino Bozo souffrir le col à Naipo, Biso Tosombaka, Nasepela Kolobaka, Biso Bao Tosombaka, Lipana Kwe Avenue. Très bien. Na Bango Bako Taka supermarché chaque jour. Bango Baba Congolais Kolega Biso? Très bien, Déco. Si vous avez le bibongo, vous allez appeler à la désobéissance civique. Très bien, Déco. Et ça m'a gambalo kouta. Très bien, Déco Francis. Déco Trésor, est-ce qu'en cas de mégestion et d'autorité, on ne peut plus dénoncer, prononcer la SOS? Ok, Matondo Mingi Pona Mtunanayo. Posez la question, mi balete, parce que Kayan Déco Kikuni, la question est totalement différente. Ce qui me conduit, Songolo Pakalazo gérer Mabé, on va dénoncer sa mégestion. Là, ce n'est pas le problème. Mais Tozonga na moboko ya mutuna na yo oyoya Seth Kikuni. C'est ça, non? Oui. Vous savez, moi je suis légaliste et je prends pour des valeurs en tant que défenseur de la République. L'article 23 de la Constitution Nabiso ezo garantir liberté d'expression à tout citoyen. Alors, dans la liberté d'expression, il ne faudrait pas faire un bémol maintenant d'un libertinage. Oh, parce que je suis libre de s'exprimer, Nakoki qu'on s'exprimer dans n'importe quel terme, avec n'importe quel propos. Des deux parts, parce que nous sommes sur un terrain politique, que ce soit pour les opposants ou pour ceux qui soutiennent le pouvoir, la liberté d'expression est garantie pour Nabiso Nyonso. Mais qu'est-ce que je dois dire? C'est ça le problème. Parce que la thématique, c'est notre frère que vous venez de citer. Moi, j'ai suivi 3 de ces vidéos. Depuis un temps, nous avons constaté que notre frère s'est plongé dans des discours incitant à la haine tribale. Prenons la dernière vidéo qui a été virale sur les réseaux. Il est au Katanga. Il faut faire l'étude du milieu. Comme ça, j'aimerais dire à mon frère lorsqu'il dit non, ceux qui balobi richesse au Eza et Abino, il faut bénéficier en gros, effectivement, mais c'est quel contexte? C'est dans quel milieu et c'est dans quelle intention? Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle le dit et le non-dit. Ouais. La lettre est l'esprit de la lettre. C'est très important, il faut les nuances, nous sommes politiques, il faut voir avec d'autres lunettes. Il ne faut pas chercher des alibis. Seth Kikuni est au Katanga. Un terrain hostile aux Kassaïens. C'est ça le problème. Il dit ceci. Vous les Katangais, vous êtes riches. Binonde bozoleisa mboka mobimba. Vous comprenez? Boza ba révolutionnaire. Il faut bolamuka. Les lots bazo sekabino, bazo humilié bino, bazo ridiculisé bino. Botika bongote, botelema bozo ba responsabilité na bino. Amen. Richesse au Eza ya bino. C'est vrai. Mais quand il parle des gens de se révolter, lorsqu'il dit bazo sekabino, bazo humilié bino, il faut botter les mains. Là, les noms disent qu'il faut botter les mains contre cette tribu kassaïenne, parce qu'avant vidéo, on a à l'école ici sur la Top Congo, je ne sais pas si vous avez suivi, lorsque Christian Bossembe nous posait une question, il dit ce qui bobo et Moïse Katumbi à la présidence de la République, c'est que Tokoyebisa ba Katangé, Baboya ba Kassaïen, Baoyo Bazana Katanga. Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo, j'ai la vidéo ici. Donc, vous voyez un monsieur qui depuis un temps s'exerce à cet exercice-là d'incitation à la haine tribale. Et dans une certaine mesure, il fallait qu'on arrête cette hémorragie-là, parce qu'elle est l'eau. Ceux qui katangent et pélient, vous allez dire, mais pourquoi on n'a pas étouffé ça dans l'œuf? Nous, nous avions vécu les événements de 1992. Ce n'était pas beau à voir. Kabanda, Chibanda, on a fait tout un documentaire, les cimetières les plus longs du monde, qui commence du Katanga à Mbuji-Mayi, où des milliers et des milliers de personnes sont mortes à cause de Makambo, un tribal, à cause d'une petite phrase. Parce que Kungwa commence à l'époque, le gouvernement dit Biloulou. Biloulou qui veut dire les insectes, Binkubala, donc les chenilles. Il ne faut pas bavanda. Et Bibakolé, bandit, c'était un feu et puis il y a eu ben de sang. Nous ne voulons plus vivre ça. Alors, Seth Kikuni, c'est quelqu'un qui ne doit pas se comparer aux tiktokeuses, comme j'ai vu la dame là, c'est pas Denise. Seth Kikuni, c'est une personnalité politique. 2 fois candidat à président de la République. Quand il dit quelque chose, c'est différent de ce que tu vas dire. On se comprend. C'est un leader d'opinion. C'est un leader de masse. Quand bien même je ne dédouane pas la tiktokeuse. J'ai dit ici, la liberté d'expression, c'est dans les 2 sens. On se comprend. Mais ici, nous sommes dans une thématique bien précise. Il y a Seth Kikuni qui se retrouve aujourd'hui au parquet. Donc, vous voulez que des leaders politiques continuent à se larguer dans des propos tribaux où les autres salakés. Batuba kufaka, biso tozo linga. Tosha na se. Batuba zo kufa deja na S. Bolingi ni sous na ba province, batuba banda ko kufa. Oyo ya mobondo awa, eko kite. Jusqu'où on va aller avec cette incitation à un tribal. On a parlé de Mike Mukebayi, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Il est sur un plateau, il tolère les propos de quelqu'un qui s'agite. Et il est là, il cautionne. Et il est pointé du doigt. Il ajoute. Et vous voulez qu'on laisse ça parce que c'est la liberté d'expression, comme si la qualité d'opposant, tu m'unis, tu as maintenant les humilités, tu es exempté de poursuites parce que tu es opposant. Ah non, j'ai dit. Mais dans l'autre sens, j'ai dit aussi, c'est lui, même du pouvoir, qui encourage le propos d'incitation à la haine tribale, à la révolte, à la désobéissance civile. Ce sont des gens aussi qu'il faut poursuivre. Donc ici, pour ne pas m'éparpiller, rester dans la thématique, Seth Kikuni mérite ce qui lui arrive. Parce qu'il ne l'a même pas fait une fois, à maintes fois. Mais si maintenant il y a des conséquences de ces paroles, on dira quoi? Les autorités n'ont pas agi. Alors on agit pour arrêter cette hémorragie, afin que les autres qui ont aussi ce genre d'intention, très bien. Déco Henri, la population a souffert parce que certaines de nos richesses les a peut-être consommées par une certaine classe. La population en entièreté a des difficultés. Est-ce que vous avez sa population que bottez les mains parce que vous devez aussi bénéficier des amabés? Les amabés, je pense que peut-être parce que les termes, les mots ont leur dictat. Ça aurait été mieux pour Nanga, ce qui, par exemple, Seth Kikuni à Lubaki, que, bien que étant au Katanga, devant les Katangais ou la population du Katanga, mais soit à Lubaki, par exemple, que vous les Congolais, richesse à Bino, Bino ba Congolais. Je crois que propos wana, ingezwa adhésion, il y a tout Congolais. Vous voyez, vous avez adhésion à la Congolais nyonso. Mais il y a cadré en haut, il y a des difficultés. Donc je pense que mots, ils ont un sens, dans l'allocution ya mutu. Parce que il faut que nous étions allumés, donc il n'y a personne qui a le droit que bazala moi bloc ya batumike. Bazouane richesse ya pays mobimba oyo et comme il loko là-bas se partagera bango. Non, ça on dit non parce que nous sommes nés dans ce pays. Toyebi ndenge mutu nyonso akomela na pouvoir. Et ma faiblesse za PKK ya ba institution na biso. Regardez. Tango mutu akoti en fonction. Tozongo na tana bamboka monsieur amike, on peut dire ça comme ça. Le président à Sénégal, tant qu'il est en fonction, va publier, il va congolais, toyebi patrimoine naé, toyebi mbongo azaki na mon compte, na jour à côté na pouvoir. Et là, ça permet à l'opinion de comprendre s'il fera l'objet à enrichissement illicite ou pas. Mais ils sont en Congo qui respecte cette loi-là. Baza koko taka ndengwana. Et par contre, ceux qui deviennent dangereux, ils ont tant ou baluka kasiko yo ba attaquer. Parce que soulever du Kamboua pour attaquer opposants. Et Zoya Mabé pour Nani, ce sont des choses qu'on a vécues. Lesquelles, qu'on débatteur un petit peu pour Koloba Awa, tout décrié pendant 37 ans. Mais les lois, comment tout ça, la souka Makambouana. Alors, des places congolaises, comment un peu dépaysées. Tant qu'on va convoquer Cherubin Okende, le motif c'était quoi? Aya pour ça, la déclaration à patrimoine. Mais ça ne s'explique pas. Donc vous allez appliquer la loi que pour un individu moko qui a démissionné de ses fonctions accueillies, corallier, leader naïe de l'opposition. Non! Quand il y a un programme de Nyobenga Bango, il y a une déclaration, il y a bien un bango. Donc il y a un déni, il y a soumis à Bango na Bakouti. Qu'est-ce qu'on en sait? Ne serait-ce que sur ce point-là. C'est de là que. Puis ce peuple congolais, tous alliés escroqués, bah dirigeants n'abusent donc les habitudes au Yakarawana étiquetées. Donc combat contre les antivaleurs et zakak. Togoye bate ministre Oyo tangwa kota kazaki nani nakobi manae asakomi puissant millionnaire. On n'a pas de repère. Beaucoup poursuivre batu ndengening. Bah na facilité yakozwa bomengo tu ya République talanan. Les loyaux tozana. Bazo pesa biso chiffre à budget à 16 milliards. Token à 18 milliards pour 2025. Mais comment on peut se moquer, comment on peut expliquer en haut, tant que tu as un budget à 3 milliards ou 4 milliards, Oyasuka Joseph Kabila. Les lots communes à budget moko 5 fois plus. Au lieu de vivre 5 fois mieux que l'air à budget à 3 milliards, tu as vivre 5 fois moins que l'air à budget à 3 milliards. Mais je ne sais pas comment Otoko expliquer. Alors, ou bien, ne nous parlez pas de ces chiffres-là. Vous en à mon côté. Et comment, au final, le coup là, démagogie. Donc, on a dit que il faudrait la politique nabiso, base à la peine à esprit wana, pour s'aligner derrière les valeurs, pour éviter, effectivement, surtout pour vivre le coup là, richesse tu en boka. Ils ont condamné dans ma bouche il y a groupe il y a des individus. Oh les lois nous accotinent na pouvoir. Lobby a sommi tout un quartier. Lobby mais il a quel salaire? C'est ça. Vous voyez oui. Donc ça résume d'une gestion opaque au Magambutu ils a flou. Tous ils battent, tous tu wapi, tous ils kende wapi. Donc on a dit que tous on a droit il y a qu'à dénoncer mais gestion en forme na ngonyoso. Parce que Kobanda Kasavubu, Mobutu, les deux Kabila, les lots à Félix Tshisekedi, Moutoya continue à fonctionner avec Mbongo Azalagité. Omoni, mais Nakobima, Batubabima, Bah, comment pas milliardaire? Non, ça ne s'explique pas. Très bien, Déco, Henri. Déco, Francis, est-ce que Kolobaki, nous doit un père de famille, Azobela, et ça, bon, va prétexte pour nous échapper à la justice? Yamona, on a répondu à la question. Je voudrais quand même couper sa certaine précision. On a honte de Kauti Koloba Awa, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas quand même laisser passer sur un plateau de télé. Je considère moi comme la richesse Nyoso Yamboka Oyo appartiennent aux Congolais. Oui. Que je me retrouve au Kasaï, au Katanga, au Congo central, partout. Je n'ai pas à particulariser la situation parce que moi je considère que Nyoso Otoanango et Zaponaba, pas Congolais. Et Soki, moi, les bokeh à Batou, mon roboyer, comment au Kabola, bah richesse wana loko la gâteau entre bango, Congomani nyonso azana makoki, azana droit ya kutelema, pe koloba ete bongo eza mabe. Donc moi c'est ce que j'ai dit. Alors d'entrée de jeu, n'a rien de quoi tant gazui maloba, tant gazo pesa ma biscuit nae, azolo bela likambo ya pasteur. Kabundiwalesa, que je respecte beaucoup, attaqué par une dame dans les réseaux sociaux. Abenga Kiango, l'olenge yamabe. Par là, je voudrais dire quoi? Deko, nakata mboka oyo, toi na mibeko pona ba tu ya réseaux sociaux, il n'y a pas de loi pour les tiktokeuses et une autre loi pour des personnalités politiques. La loi est leur... Non, non, écoutez. Vous avez vanté celle qui coûte plutôt deux fois candidat président de la République. Ça veut dire qu'il doit avoir un traitement aussi différent qu'une tiktokeuse qui commet le même acte que si... Laissez-moi parler. Non, non, non. Je vous ai suivi. Je vous ai suivi avec attention. Vous aurez peut-être le temps. Laissez-moi parler. Vous aurez le temps. Vous aurez le temps. Vous l'avez dit et je suis en train de recadrer. Je n'avais pas dit ça. Laissez-moi recadrer. Je n'avais pas dit ça, mon cher. Laissez-moi recadrer. Il n'y a pas une loi pour Denise. Dissous, si c'est comme ça que vous l'appelez, et une autre loi pour des personnalités politiques. Je n'ai pas dit ça. Lorsque est Congolais, nous sommes tous appelés à respecter nos lois. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais si je l'avais dit, non, non, non. Écoutez, que ça soit que la majorité ou du pouvoir, la loi doit s'appliquer. Mais parce que la thématique, c'est Kikuni, c'est comme ça que je me suis apaisanti sur Kikuni. Donc c'est ça. Vous avez fini. Je peux passer à autre chose. Ne revenez pas sur ça. Je peux répondre maintenant la parole? Oui. Parce qu'apparemment, vous co-animez en deux l'émission. Passez à autre chose. Vous co-animez l'émission avec Madame Maria. Sinon, laissez-moi parler. Donc cette façon de vouloir mettre dans l'esprit des Congolais qu'il y a une loi pour les tiktokeuses qu'on doit traiter et une autre loi pour cette Kikuni qui est une personnalité politique deux fois président de la République. Wana et Kokota na mitu yaba Congolais. Le contraire, laisser à une tiktokeuse de tenir les mêmes propos qu'une personnalité politique et on la laisse en liberté et elle continue à se vanter Kazandeko. Il y a président de la République. Et Azana Makoki, Azana Liberté, Yakosala Makamboya Nengona, c'est-à-dire que vous montrez aux Congolais qu'il y a deux poids, deux mesures, il y a des gens qui sont au-dessus de la loi, de nos lois à nous. Donc ça c'est une première précision. Le problème de Mike Mukebayi, bon, il a dit que Mike est en train de cautionner le propos de Daniel Safou. Je vous rappelle que Ndeko, Namokao, ce qui m'a zali m'a il faut que nous ayons courage, que ce soit au Yazan à pouvoir, tout au Yazan à pouvoir. Lorsque vous prenez parti parce que les lois ascètes qui coulent, vous sortez les biceps pour condamner, mais lorsqu'il s'agit des autres, vous semblez ne pas prendre au sérieux certains aspects. Il faut que tu aies le Kouana. Mbokao Yazaya Bissonyonso. Moutouakobang Samouninga, Azate, tous nous avons le même droit et le même devoir. Donc c'est ce que je voudrais préciser. Très bien, Ndeko. Francis, Nico Trésor, est-ce que... Maintenant que je vais vous laisser parler. Est-ce que quoi avancer Kolobaki Aza, père de famille, Kolobaki Aza, Aza malade, est-ce que ça va prétexte pour nous échapper dans la loi? Bon, au moins, Maman Naomi, au moins, Mariam, il faut être attentif dans un débat comme ça, et surtout que c'est à la télévision. Nous sommes très attentifs débatteur pour ne pas plonger dans l'incompréhension et puis mal interpréter les propos du co-débatteur. J'ai été très clair dans les débuts de mon propos. J'ai dit l'article 23 de la Constitution garantit la liberté d'expression. Liberté d'expression, on a, et c'est pour les opposants et ceux de la majorité. Je l'ai dit ici. J'ai condamné le propos de Seth Kikuni qu'il a tenu au Katanga. J'ai condamné aussi les propos de la TikTokeuse. Mais je me suis apaisanti beaucoup plus sur le cas de Seth Kikuni parce que c'est ça la thématique. Je n'ai pas dit ici qu'il y a une loi pour les TikTokeuses et une loi pour les hommes politiques. Si la thématique était que les dérapages dans le propos des TikTokeuses, par exemple, j'allais m'apaisantir sur ça. Mais ce n'est pas la thématique. C'est parce que M. Henri Tshimbalanganda est passé par là que nous avons tous brossé la question. Mais la thématique ici, c'était l'arrestation de Seth Kikuni. C'est pourquoi je me suis apaisanti sur Seth Kikuni. Je n'ai pas dit ici qu'il y a une loi de TikTokeuses. Un monsieur comme moi, un trésor Kalala qui passe à la télé pour dire qu'il y a une loi des TikTokeuses et une loi des hommes d'État. Est-ce que moi, je peux dire des choses comme ça? J'ai dit non. J'ai insisté sur Kikuni parce que c'est ça la thématique, je ne voulais pas m'éparpiller. Donc il faut que ça soit retenu pour dire. Très bien. Makambu Kolobake, Azar, marié, père de famille, Azobela. Non, ce ne sont pas des causes de justification. Pour quelqu'un qui vient de commettre une infraction, tu viens de commettre une infraction, mais parce que moi, c'est Azobela, pas Azar marié. Il faut bâtir Kayo. Ah non, si tu commets une infraction, tu dois répondre pour l'infraction que tu viens de commettre. Que tu sois malade, que tu sois marié, père de famille. Ce ne sont pas des causes d'exemption. Ce ne sont pas des causes de justification. Parce que je suis marié, tout ce qu'on vient de dire là. Donc ici, je comprends aussi dans les jeux des opposants. Lorsqu'il y a un opposant, Bakangi, ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a une façon de se victimiser. Il y a une façon d'attirer la sympathie de l'opinion, comme dans, on cherche à créer un humanisme, morobo et mélancolie, non, bananaye, talamois, c'est une conférence de presse, ou toi, lelaki, ayaki, nabana, batika, papa, nabango. C'est pour manipuler l'opinion. Mais la loi n'a pas d'état d'âme. La loi n'a pas de sentiments. Quand tu commets une infraction, tu dois répondre au fait pour lesquels tu es reproché. Donc ici, pour revenir sur les cas de notre frère Seth Kikuni, moi j'ai dit, il mérite là où il est. Il mérite d'être là où il est parce que les propos tenus sont extrêmement graves. Mais j'aimerais revenir par rapport à ces propos. Quand il dit, Bino Bakatange, ça fait 6 ans. Vous allez comprendre. Est-ce qu'il y a Nzele Zali? Est-ce que ce n'est pas courant Zali? Il a énuméré un nombre là-bas. Il y a grief, moi, belé. Mais c'est comme ce que M. Henri dit. Est-ce que ce pays est destiné à que c'est un coin, une tribu ou une communauté qui doit bénéficier de richesses du pays? Et c'est comme ça que j'ai dit, le nom dit là-bas, c'était dresser le Katangé contre le Kassaïen. Parce que s'il faut entrer en profondeur de la chose, le Katanga a dirigé ce pays pendant plus ou moins 23 ans. Moïse Kabila et Joseph Kabila. Mais il laisse le pouvoir après 23 ans sans route au Katanga, sans électricité, sans minoterie, sans bateau. Donc il laisse le Katanga comme il l'a laissé, 24 ans. Et l'autre qui arrive, il a 6 ans, vous voulez lui faire payer les péchés de 24 ans d'un Katangais qui a dirigé le Katanga, qui n'a pas développé le Katanga. Je n'aime pas ce discours tribal. Moi, ça me met mal à l'aise lorsqu'on parle de Katangais, Kassaïen. Ça ne m'honore pas. Alors, c'est comme ça que je dis, ces genres de pratiques, il faut commencer à les décourager. Et moi, je vais plus loin. Je propose ici au gouvernement, à la justice et même au service des renseignements, ces genres de pratiques de quand on interpelle quelqu'un, il y a les gens de sa tribu qui viennent, nous, ressortissants de tel, condamnons patati patata. Non, ça ce sont des choses qu'il faut interdire. On nomme quelqu'un, nous, ressortissants de tels, félicitons. Ce sont des pratiques qui sont en train de renforcer encore le tribalisme et ça n'avance pas les pays. Vous avez vu les débats ici après la publication du gouvernement. Non, il n'y a pas eu tel ressortissant, il n'y a pas eu tel... Non, nous sommes un peuple, nous sommes une nation. Nous appartenons à la nation congolaise, à la patrie congolaise. Et il faut nous mettre ensemble, parler le même langage. Mais quand il y a des individus, avec les problèmes que nous avons à l'Est, à Kwamout, au Katanga, il y a un individu qui vient pour encore rallumer cette fibre tribal là, ce sont des choses à connaître, c'est comme ça que je dis, ce genre de cas, il faut frapper dur. Donc Seth Kikuni doit être jugé, condamné et emprisonné selon que le jugement va le dire, parce que il ne faudrait pas que l'on continue comme ça jusqu'à l'infini. Demain, un Mukongo aussi, il va dire, non, Bino Leba Congo, c'est vous qui avez donné les courants, c'est vous qui avez le port, donc par conséquent, il faut vous révolter. On se comprend. Les Kassaïens aujourd'hui vont se lever, les Équatoriens vont se lever, mais nous serons quel peuple? Mettons-nous ensemble, regardons dans la même direction, bannissons ces discours-là, tribal. Mais dire ici qu'il y a deux lois pour les uns et les autres, moi je n'ai pas dit ça. Nous sommes tous égaux sur la loi. Le mal d'où qu'il vienne, de gauche ou de droite, moi je condamne. Mais je suis resté dans la thématique que tu nous avais donnée. Très bien, de votre trésor, Neko Erimbote. Merci beaucoup, Maman Maria. Alors, demande de liberté provisoire refusée pour Seth Kikuni, plus 15 jours pour retenir dans l'année. Est-ce que Seth Kikuni est risqué gros? En fait, je ne pense pas. À risquer gros ou pas, je ne pense pas. Mais en fait, il faut laisser la cour des choses évoluer de manière normale sans pour autant interférer dans la procédure ou le processus judiciaire par rapport à le dossier Seth Kikuni. Donc, seule la loi peut être dit par rapport à cela, et aussi seul le juge en fait peut décider de son sort. On peut beau dire par rapport à telle ou telle autre chose, mais néanmoins, c'est le juge, sa conviction peut trancher par rapport à ces dossiers-là. Mais néanmoins, de propos séparatistes, tribaux, tout ça, il ne faudrait pas les donner la place à la patrie, parce que ce sont des propos qui ne font que nous diviser au lieu place d'être réunis. Si les uns prêchent aujourd'hui et proposent aujourd'hui un dialogue, mais le dialogue ne peut pas se faire dans un contexte de désignaux, de tribalisme, vous voyez un peu. Donc, le dialogue, il faut ça dans le contexte où il y a unité. C'est pour ça que moi, je dis toujours, on ne fait pas appel à l'unité, mais l'unité, hein, il faut Tobikayango, ça doit être notre vie quotidienne. Hein, l'unité autour de vous, l'unité, vous vivrez, vous vivez, plutôt qu'il y a ça l'appel à tout moment, voilà, patati patata, mais il faut obéir à l'unité. Non, en fait, l'unité est à la thé, mais je ne crois pas qu'en faisant l'appel, c'est qu'il n'y a pas l'unité. D'accord. Je ne peux pas dire que vous voyez, il veut seulement alerter pour attirer l'attention. Vous voyez un peu, donc, ce qui réellement, l'unité à la raté dans Mboka Oyo, je crois, mais partie à SDG Kenda. Vous voyez un peu, parce que ceux qui ont le Oyo, par une partie, il y a Nord Kivu, ils ont attaqué et assiégé par les agresseurs. Ceux qui n'étaient à la raté, hein, mais partout on a déjà Kenda. Mais pourquoi est-ce que tous les Congolais se mobilisent comme un seul homme, dans l'idéologie moko derrière chef de l'État, pour s'enrôler dans l'armée et dans certains services spéciaux pour mettre fin à cette guerre-là? Juste pour dire que unité Zali, il y a l'âme de la patrie. Et là, car une partie est occupée, peu importe le coin où vous retrouvez, au moment où Azana Karawa, mais pourquoi cette âme-là de l'unité est là? Cette flamme-là, vous voyez un peu, parce que ceux qui flamment à la raté, les lots et Kenda déjà, et à plusieurs reprises, Mindele va tenter, surtout, petit loba que vous continuez à tenter, en utilisant même certains fils du pays, et certaines filles du pays, pour que, bah, diviser Mboka Oyo. Mais si ces pays, le Congo, le Grand Congo, tient jusqu'à ces jours, c'est parce que le vouloir vivre en commun est parmi nous. Et cette unité-là existe encore. Et cette âme nationale est en nous. Parce qu'ils ont raté, Maman Maria Koura et moi, mais on n'allait pas se retrouver sur ce plateau en train de parler. Je crois qu'il y a déjà une diversité culturelle sur ce plateau. Voyez un peu. Nous parlons, nous débattons pour notre pays. Et je crois que Batonio Sowazo s'aimait Enwana. Bazana place était Nambo Kanabiso. Quant à dossier Seth Kikuni, je laisse entre les mains des juges qui ont entre les mains Namabo Konabango dossier Wana. Il n'y a pas lieu ici de pouvoir incriminer l'institution présidente de la République. Parce qu'avec la séparation du pouvoir, le chef d'État lui-même a décrié jour et nuit attitude, système, il y a justice à déplorer à tout moment que les amabés. Vous avez vu même l'actuel ministre de la Justice, il est tenté aussi de décrier Yango, mais en les décriant, la mafia qui s'est installée durant des années dans le secteur de la justice est tentée même d'éliminer physiquement. Vous avez vu, empoisonné, bureau naïe, empoisonné. Tout ça, pourquoi? C'est parce que il a dit non. Moi, je dis toujours, à un certain moment donné, Moutounion surtout, non à un certain point. Kosam Tambaye a dit non à un certain point. Vous voyez comment est-ce que tout le monde saute sur lui et verse sa peau. Donc, c'est la même chose aussi avec ce qui se passe aujourd'hui. Je crois, Congolais non surtout, il place ici des salamoussala, ils ont salamoussala, et si qu'ils ont salaté, ils ont salaté. Je crois que le chef de l'État, le membre du gouvernement, n'a pouvoir ni surtout, il faut mettre ensemble une bonne autopsie par rapport au système judiciaire Nabiso pour que le magistrat, le juge mafieux, base à la mise à l'écart pour qu'une nouvelle énergie ait un quota pour rendre réellement justice aux Congolais. Henri, est-ce que cette Kikuni risque de vous? Bon, je ne sais pas ce qui, d'abord, il faut au final, grief ni Nérozala mis à sa charge pour évaluer que oui, peine n'en haut, mais sinon, comme le cas jusque-là, il est poursuivi pour propagation des faux bruits. Bon, d'abord, il y a un peu quelque chose où on a bien dit. On a évité ce que ça suite à la décision de Constant Moutamba Roloba qui est magistrat désormais Batinda Batuna na prison té. Toloba qui makamboana aussi ici que oui, ba décision mususu bazoaka mais au talina non faisabilité. Les lois monique que Seth Kikuni a déjà na beaucoup à parquet mais sa détention s'exécute dans les locaux de la NER. Est-ce qu'il y a un lieu indiqué pour nous garder Moutoukuna? C'est d'abord, c'est traumatisant. Donc, vous risquez, il y a créer parce que lieu il y a détention, il y a un air d'abord un lieu psychologiquement, ils ont transpercé yo. Mais si vous avez parce que toi la maison d'arrêté. Bamoni que sorte le bitotindaé na prison parce qu'elle en détention provisoire. Il y a une décision du ministre qui est Batinda Batukunate. Alors, bon, une décision, je qualifie aussi maladroite, parce qu'il fallait avant tout que l'on voilà, la projection, mais il y a d'abord une mesure. Les lieux où on doit détenir les bateaux en attendant qu'ils soient condamnés pour la prison. Donc, je pense que justice, c'est ça la moussala, c'est le juge, dans sa conviction de par l'élément Oaozanango. Vous décider ce qui peine aux lourde ou pas. Très bien, les Henri. Les cofrancis, opposants, Baza les plus en plus arrêtés. Ceux qui détournent l'argent du pays, Baza épargnés. Est-ce que ça paradoxal? Il fallait que nous poser la même question. Nous poser est-ce qu'il risque gros? Non. Mais à votre place, j'allais plus poser cette question dans le plateau parce que de quoi répondre yo déjà. Ça veut dire quand mon frère dit Seth Kikuni mérite d'être là où il est, il doit être jugé, il doit être condamné et emprisonné. Déjà le verdict est tombé. Moi, je suis juge. Mon frère, il est ailleurs. Est-ce que vous comprenez ça? Il viole même l'ultime conviction du juge. Qui a l'appréciation? Non, frère. Arrêtez de faire ça. Soyons sérieux. Les dossiers en cours. Mais vous vous dites qu'il doit être jugé, condamné et emprisonné. Mais observez un peu la sagesse des autres intervenants qui se sont abstenus sur les verdicts. C'est ce qui va arriver à Seth Kikuni. Mais contrairement aux autres de Kualobi, il faut pas juger, il faut pas kangaye, il faut pas taboloko. Ça c'est violer l'ultime. Nous sommes dans le respect de loi. Vous n'êtes pas juge. Vous n'avez pas à déterminer la sanction de quelqu'un qui est arrêté, cher frère. Et ça n'est pas bon. Donc, de plus en plus, je réponds à votre question parce que comme on a un plateau à télé, comme on a un juge, mais en train de déterminer la sanction, que le dossier est en cours d'instruction, il a déterminé la sanction à télé. Donc, ça n'a pas passé. Il fallait nous engager. Opposant de plus en plus qui était bon. J'avais déjà dit ça parce que on ne peut pas décrier. C'est qu'on a, on a le temps de décrier hier qu'on le vive aujourd'hui avec un régime qui a tant inspiré les Congolais. Nous avons dit, nous continuons toujours, nous avions dit et nous allons continuer toujours à le dire. Ce qui m'abaisa Bemba et Salemi, il y a des procédures oyo mibeko na biso ya mboka et pesaka batu pona kokanga ba mususu. Parce que Togo lo bateke na époque ya Kabila banda okanga ba opposant et que n'époque ya Tshisekedi ata opposant à Salima beba kanga été non, ça ce n'est plus un état de droit. Très bien. Mais ce que je veux, c'est que état de droit ezala exécuté pour tout le monde. La liberté provisoire, oh, c'est qui connaît, l'avocat n'a sollicité. Ça a été rejeté et sa détention préventive a été prolongée de 15 jours. Vous savez pourquoi on refuse à Seth Kikuni la liberté provisoire? Tout simplement parce que à Kokiko changer résidence. Et il peut se soustraire de la justice. Est-ce que vous trouvez ça normal? Seth Kikuni, il est connu, il a une résidence, c'est un homme d'affaires. Mais comment est-ce que quelqu'un qui habite dans cette ville, qui a un problème avec la justice, on va le laisser sortir du pays comme ça? Et parce que, à corrompre, il va faire comment pour qu'il se soustraire de la justice? Donc c'est tout simplement dire que Bamiyibi, Oyo, Bazoyiba Mbongo, madame, ce régime ici, presque tous les voleurs arrêtés à Makala sont dehors. Il n'y a que seulement le ministre de la Santé qui vient de quitter Makala récemment, Oli Lunga, qui a purgé sa peine, jusqu'à la fin et qui est sorti. Le reste, Boni Bamiyibi, Bato, Bakoyiba Mbongo à l'État, Basbi Makalibana Bako purgé ma peine à Bangote, mais Moutoua Sengi liberté provisoire, même si on considère ici que les faits lui reprochés sont aussi graves que ça. Mais le détournement, ce n'est pas un fait anodin, madame. Donc nous insistons sur le fait que la loi soit appliquée pour tout le monde. Système Wana Yakopé Sabamususu, moi privilège devant Mibeko Yambo Ganabiso, et puis qu'on serre Bamususu. On dirait que Congolais, ça, si on est vraiment un Congolais sérieux, on ne peut pas cautionner et on ne peut pas sortir sur un plateau de télé en train de glorifier le fait que on coince les autres et les autres continuent, même des voleurs qui ont volé l'argent du pays pendant que les Congolais souffrent. Budget, il y a 14 milliards à 18 milliards pendant que Tozo Koka, même pas, on est devenu incapable de se payer même de loyer. Et là, on trouve normal, on continue à nous faire inventer des histoires, à nous faire rêver debout. Donc, il faut que la loi soit appliquée pour tout le monde, qu'on soit opposant, qu'on soit du pouvoir. Nous aimerions voir la loi, comme on est en train de voir le ministre de la Justice, l'actuel, qui a mis quand même les choses dans leur place. Malheureusement, il fait face à un arsenal qui, je ne sais pas, l'obisso qui va permettre à continuer Moussala, mais c'est très difficile. Na arsenal Oyeza na Mboko, bateau, Mayele na Bango, Bacha, Ngoka, Nenganini, copier Mboka, copier Mbongo ya Mboka. Et ça passe. Attendez, Francine, Deco, Trésor de Roma qui est dans la première thématique. Pour l'année de justice, et s'est penché plus côté opposant et puis côté détourneur, moins allègement des alliés. Matondo mingi, au monde, il y a un sourire moqué par rapport à Ndekonanga. Franchement, mon frère est ailleurs. Bon, j'évite d'être arrogant, j'évite des mots durs parce que c'est déjà une famille. Heureusement, j'avais dit que mon frère, c'était pour la première fois que je le vois, mais je suis en train de le découvrir petit à petit. Mon frère ami, moi je suis politique, nous sommes politiques ici. Je vois un fait, je l'analyse en tant qu'individu et je donne mes conclusions. Je dis par rapport aux propos que Ndekonabiso a tenaki na Katanga, et ça extrêmement grave, c'est moi qui réfléchis. J'ai dit, par conséquent, il doit être interpellé. Il est déjà interpellé. Nous faisons les débats après son interpellation. Oui. Je suis, il ne faut pas me voir. Écoutez. Il doit être jugé et condamné. Mais je suis en train d'aller. J'ai dit, je devais être courtois avec toi, mon cher ami. Non, non, même pas la peine. Si vous voulez être vous aussi voyez. Dur, vous n'avez qu'à sortir votre disciple. Je suis un politique qui réfléchit. Oui. J'estime avec un cerveau qui n'est pas en vacances, qui n'est pas une fontaine vide, qui doit être là, observer comment, bon, que la justice, sans analyser. Non, je suis un politique qui analyse. J'ai dit, les propos tenus méritent interpellation, méritent jugement, condamnation et emprisonnement. C'est Trésor Kalala qui réfléchit à un homme libre, mais qui n'est pas juge. Mais ton invité dit, voilà la messe est dite, parce que Kalala réfléchit. La messe est dite là-bas. Dans les instances judiciaires, la messe est dite par rapport à... Vous influencez la décision de la justice, mon frère. C'est une question qui est entre les mains de la justice. Vous n'avez pas à déterminer la sentence sur le plateau de télé. Tolérance de Francis. Oh, mon frère ami, pour la troisième fois, j'ai dit je suis courtois. Non. Je veux être courtois, élégant. Il y a certains débats, je ne fais plus. Hein, j'ai décidé de ne plus faire certains débats. Très bien. J'ai décidé d'être courtois. Ok? Donc... je suis étonné ici que la réflexion d'un individu qui n'est ni juge, ni magistrat, même pas greffier, mais qui influence un juge responsable. Non mais écoutez, c'est quoi ça? J'ai réfléchi, j'ai dit le propos de notre frère mérite interpellation, jugement, condamnation et emprisonnement. J'ai réfléchi en homme libre. Il a dit encore quelque chose, bon, je ne sais pas. Il dit on interdit à notre frère la liberté provisoire parce que comment il a des résidences données, hein, les motifs donnés. Il peut changer, il peut changer de résidence, il peut fuir. Mais comment quelqu'un qui est déjà poursuivi, comment il peut fuir, mon cher ami? Est-ce que c'est la première fois dans ces pays qu'on a vu des gens fuir? Vous n'avez jamais vu les gens fuir? C'est soustrait de la justice. Écoutez, Kabila est sorti. Il est sorti comment? Kabila avait des problèmes avec la justice. Kabila est sorti ici. Il est sorti comment? Pourquoi il est sorti pas dans un circuit normal? Il a échappé à la DGM. Pourquoi? Et c'était comment? Nous avons les Vouemba qui sont à l'extérieur. Ils sont partis comment? Vous avez les Franck Diongo. Ils sont partis comment? Seth Kikuni, quand on l'interpelle, c'est d'abord derrière avec un avis de recherche. Il avait séché sa résidence. Son bureau connu. On ne l'avait pas retrouvé là-bas. On l'a retrouvé dans un autre bureau, méconnu du circuit normal des services. C'est là qu'on l'a trouvé. Alors, un monsieur comme ça, vous allez le laisser partir. Mais par où il va sortir? Vous n'allez pas savoir. Lui, il vante les juges ici, mais en entre-temps, il condamne encore les juges. Parce que c'est lui qui refuse, lui qui accorde la liberté provisoire, c'est les juges. C'est les juges. Alors, en entre-temps, il appuie les juges. Et de l'autre côté, il condamne encore la décision du juge. Donc moi, je crois que c'est de bons droits. On retient quelqu'un en détention lorsque sa fuite est à craindre et la fuite du monsieur est à craindre. Lorsque la résidence n'est pas fixe, eh bien, on peut te retenir. Et c'est le cas de notre frère. On l'a cherché à sa résidence, il n'est pas là. Son bureau officiel, il n'est pas là. On le trouve dans un petit bureau clandestin, caché derrière AGB là-bas. C'est là qu'on les trouve. Donc quand on les libère, il pourra encore se volatiliser. Donc c'est quelqu'un qui doit être gardé, les juges, à donner une bonne décision. Pour finir, vous parlez de comment on s'attaque aux opposants, n'est-ce pas? Oui. Et ceux de la majorité, on ne s'attaque pas. Mais écoutez, moi ici, je m'en tiens à la justice. Tout le monde ici a jeté la balle sur la justice. Mais seulement ici, les opposants ne sont pas immunisés. La qualité d'opposant ne t'exempte pas de poursuites judiciaires lorsque tu commets les infractions. De même que si tu es au pouvoir, cette qualité-là ne t'exempte pas de poursuites judiciaires. Mais ici, cette question-là doit être adressée à la justice. Au juge, vous êtes journaliste, appelez les magistrats, appelez les juges, posez-leur la question. Ils vont vous répondre. Mais nous, ce que nous constatons, eh bien, c'est ce que nous constatons. Nous avons vu sur terrain ce qui se passe. Vous voulez que moi, quand je te réponde quoi? Moi, je vois comme toi, et puis, eh bien, c'est ça. Donc, il n'a plus de mots quand il s'agit de détourner. Je ne suis pas juge. Ça n'est pas possible. Là, c'est très important. Moi, sur tous les plateaux, je condamne les détournements. Très bien. Je suis contre les détournements. Et je le répète, celui qui détourne l'argent de l'État doit être, voilà, poursuivi, condamné, jugé et emprisonné. Lorsque le fait soit réellement établi. Lorsque le fait soit établi. Ah, mais j'ai dit. Il ne faut pas avoir des victimes expiatoires. Même celui qui détourne l'argent doit être. Tu es à l'aise maintenant. Non, doit être interpellé. Dit, lorsque le fait soit établi. J'ai dit ceci. Lorsqu'on détourne de l'argent, celui qui détourne, oui, ça veut dire que nous sommes déjà dans la finalité. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes déjà. Parce que quand il a détourné, c'est sûr qu'il y a des présomptions. Oui. Mais lorsque nous arrivons qu'il a détourné, oui, et qu'il doit être jugé, condamné et emprisonné. Je l'ai dit. Mais pour finir définitivement par rapport, je m'excuse, par rapport au problème de Moutamba, c'est un sérieux problème aujourd'hui. On a refusé à ce que les gens puissent aller en Bakala. Bon, nous avons un cas comme celui-ci. Le juge a prolongé la détention. Ça ne se fait pas dans les amigos, ni de la police, ni de l'ANER, ni de la DEMIAP. 48 heures. Au parquet, après 48 heures, tu dois être déféré à la prison et c'est là qu'il y aura l'organisation des chambres de conseil et tout, on va prolonger ou couper la détention. Mais voilà que maintenant, notre frère, on a prolongé la détention, mais il est dans les amigos, c'est contre la loi. C'est là que aussi Moutamba, quelque part, il a péché. Donc c'est quelque chose qu'on doit revoir. Très bien. Eri, est-ce que la justice n'a pas contre les opposants et pas contre les détourneurs? Tous ceux qui ont détourné Baza Libre, sauf Ndeko, Oli, Lunga, le reste, mais les opposants font vraiment la prison, le quoi là, Batunios. Ça, je ne crois pas. Je m'inscris en faux et en vrai au même moment. Parce qu'il n'y a pas une justice pour les opposants. On libère aussi les opposants. C'est pour les gens qui sont du régime. Il n'y en a pas. Mais il y a des faits, hein, d'accord? Il y a des faits sociétals, oui, d'accord? On ne peut pas aussi... c'est soustraire de ces faits-là. Oui. On observe naturellement à l'œil nu que quand... tu as des relations en justice, plus tu as des relations en justice, plus tu es connu, plus tu es influent, moins tu es inquiété par la justice et la loi est large par rapport à toi. Moins tu es connu, moins tu as de contacts, moins tu as des ramifications avec le régime ou le pouvoir, tout ça. Plus la loi est dure sur toi et elle est dure sur toi. Ça, c'est ce que nous observons naturellement. Mais en cela, le chef de l'État ne laisse pas cela. Et il est dit haut et fort, il tape à tout moment sur la table, il plaire par rapport à notre justice. Le chef de l'État le dit à tout moment que notre justice est malade. Oui. Ça, c'est un fait. Nous connaissons surtout à que notre justice n'est pas ma baie, ma casse. Hein, madame? Par rapport au lieu de détention, je ne sais pas si vous avez déjà été arrêté, hein, ou bien battu déjà dans un amigo et à parquet. Entre amigo et parquet, amigo et aner, ngamutu bakanga déjà, toujours pour des faits politiques, pour la yiba na eloko mutute, na yibite so mutuna yiba, soki ayebike na yibe eloko ni akoko lekaloba, mais ngai na yibe eloko mutute, na zwape eloko mwasi mutute, quoi que ce soit. Mais je préférerais aller encore aux amigos des Hanner au moment où déjà Nada déjà devant le juge naturel Nanga et puis bah fait au bateau reproché Nango et Zakoni. Je souhaiterais aller na amigo ya Hanner plutôt que na tika na amigo ya parquet parce que amigo ya parquet est encore plus dur, inhumain qu'est-ce vivre na amigo ya Hanner ou eza awa en face ya primature. Je préférerais être là que être na nini ya parquet parce que tous ces liens là nous avons été détenus là. À un certain moment donné. Donc, justice n'a toujours déplorant toujours. Toujours conseiller dans la bande de surtout au Bazali, proche chef de en tant que conseiller. Et puis, le gouvernement n'a bah tiens ma beaucoup pour que justice n'a biso pena miliwana ils à la CENI parce que les lois ils ont conçu que n'a pas juge mafieux. Hein? Où ça, personne ne peut dire le contraire. Parce que le même système judiciaire, hein, au Kabila, à Koutaki, à Tiki Yango, Yango, Félix Tshisekedi à Kouti Yango, et puis à votre travail, Kanabango. On ne peut pas dire que non, à un coup d'œil, tous, Bidon Sobolongwa, on met d'autres personnes. Non. Il faut ça là, par rapport à ma principe, à ma règle, où ils ont régir secteur Wana. Mais néanmoins, la volonté du chef de l'État, c'est que le millier de la justice est à la assainie et que les juges, l'état des droits et zoloba, lutte au IDPS et à Bundi pendant 32 ans et le chef de l'État en étant à la tête du pays, il ne peut pas autoriser cela, mais au nom de l'interdépendance des institutions, il ne peut pas en tant que chef président de lui interférer aussi un pouvoir judiciaire, mais en tant que garant de la nation, il est censé interpeller à tout moment. C'est pour laquelle vous avez vu la réunion interinstitutionnelle et ça, la magistrature de l'État convoquée, c'est juste pour interpeller, exprimer un peu sa volonté visionnaire par rapport à la marche à Mboka. Ça, on doit le dire. Donc, par rapport à Seth Kikuni, il ne faut pas aussi politiser certains faits. Mais ah non, dossier politique. Qui oblige certains politiciens, il y a opposition et régime, il y a opposition. Tant que Félix Kabila n'a pouvoir réellement, ils abusent de fuite d'autrui. D'accord? Mais quand on sait que tu abuses de filles d'autrui, c'est ton talent d'Achille. Hein? Par rapport à ça, il faut se comporter. Mais tant que tu as beaucoup de colonnes, parce que tu abuses de filles d'autrui. Mais quoi de plus normal? Hein? Il ne faut pas politiser certains dossiers. Oui, ça, normal. Mais tu as dit que justice n'a biso, ou ils souci à mon kondiamboka, chef de l'État, Félix Tshisekedi, tu le monnaie la benga guéguisée nationale, ils allaient souci n'a été mieux chez Tambola Malamu, et que justice n'a biso, milliards ils allaient séni, bah juge, bah rendre réellement, bah jugement, ou ils allaient conformer, na constitution n'a biso, penami beko mieux surtout, yamboka. Maintenant, deuxième thématique, transport aérien, quid de la situation de Congo Airways. Qu'est-ce qui se passe dans Congo Airways? La canicie que ça mes gestion d'abord mes gestion et accompagner on des commissions na stade Oyo avec tous les risques que le ministre du transport Jean-Pierre Bemba a évoqué, c'est-à-dire retrait il y a certificat pour na transport aérien, c'est-à-dire compagnie Congo Airways qu'on perdre. Alors la situation là c'est un peu inquiétant. Je crois que Félix à Kouti Congo Airways avec 4 appareils. Et Tokenango est comme moment Moko, Congo Airways et quelque ça l'engagement donc le gouvernement avec Kenya Airways. Je disais à un ami que ça elo Moko mabé elo koana. Et Nasukanango, comment comprendre que compagnon des alliés commerciales, bato bazo voyager à bord, bazo fout à batiquer. Mais ce qu'on a fait un contrat leasing, c'est-à-dire location, parce que bon, les tickets sont jusqu'à ce que Kenya Airways retira l'appareil. Si les autres on a évité ça ici, Kenya Airways, je crois 32 millions de dollars comme ça. Bon, alors, je crois que c'était au Parlement. Devant la représentation nationale, tant que 8 avions, ils accueillent. Je crois que c'est en 2022 ou 2021, on a précision. Mais Tilelo, l'appareil y était. Alors, Congo Airways et se retrouver ce qu'on a état haut, c'est-à-dire difficulté moko et comme ça va on a disparition, il y a existence ouana. Moi je crois que même si il y aurait eu peut-être Babylone sous la situation à Mabé dans la création de la compagnie, on n'a qu'à créer une nouvelle compagnie. Tant Moussa Kouti a créé les lacs, lignes aériennes congolaises, liquida compagnie nationale et à Kaloïzalakiwana. Donc, c'est bien de se retrouver un si grand pays, donc un avion à Tamoroté à Bissomoko. Nous devons maîtriser même l'économie en Boka. Parce que le déplacement en interne, c'est autre chose. Il y a des compagnies, il y a des privés, il y a des étrangers. Au Yébi, que par exemple, aux hommes, on a des Ethiopian Airlines. Et il y a ceux qui 6 fois par semaine, ceux qui combien de fois par jour. Kenya Airways. Et t'as là bien, ce sont les Congolais qui sont à bord, qui voyagent. Alors, surtout, vous avez une compagnie nationale Nabiso. Mais bon, on a Nabiso, mais les tous sont billets à compagnie Nabiso. Et qu'on rassurer Misala n'a pas Congolais. Mais si quand vous avez une compagnie, il y a des pays africains qui sont entourés Biso. Si vous avez une Rwandais, ah, donc, biso, tobanda ko subir, tina ba domaine lokola oana. Quelque part, c'est vraiment inquiétant. Alors, qu'on a conclu Rwanda, moi je ne comprends pas. Toza kokota gouvernement, il faut etika ba projet mususu ezali na priorité. Tozu yawa 105 millions $, toke ko chana arena. Nde to vandiawa. Na limite de to bando kende ne lokoana. Mais 105 millions $, on peut avoir 3 avions, ils en ont un état à bien, les 737, 800 places, ça va vous faire 90 millions. Et au compte de la compagnie nationale, là, l'autre Didier Boudimbouye, on a vendu projet à Kotonga Stade, na Nanjili. Il a besoin de 600 millions $. Mais on est où là? Dans la compagnie nationale, qui va aller au Kendekuna là-bas? Martyr Yango Ezaliawa. Tokendakuna? Même par manifestation, il y a martyr, il faut combien? 5 000 francs. Quelle est la part de la contribution à stade de martyr dans le budget Yamboka? Mais pourquoi prendre un projet où ils ont un belé comme des fantaisies? Les lots 505 millions et c'est bimagnon sort, mais les lots qu'on a à Rennes et Ali, inachevé Télémi. Mais on n'a pas d'avion à compagnie nationale. Mais quelque part, je ne sais pas. Donc, Bazobi, ça va projet pour permettre les bango, de détourner. Ou ça signifie quoi? Très bien. Alors, dans le moment où on a dit Congolais, personnellement, dans le monde, on dirait gouvernement a dit ça. Ils ont défini d'abord les priorités. Dit, prenez le projet, le stade, l'arène, foutez ça dehors. Bob Sombe, il a dit avion. Avion, potozala, na wata 3, na Congo Airways. Tout le monde a dit ça, na compagnie, mais tout s'en va. Dans l'Éthiopie, on a un désert, on a combien d'avions? Très bien. C'est terrible. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a gestion, problème, il y a politique de gestion. Madame Maria, ce qui n'a pas été comme ça, c'est que pendant un temps, il y a un vélo. On dirait que dans un monde, on dirait comme un mode automatique. On dirait que tout le monde est en mode automatique. Opénomona pilote à Bibo, awa, Natiki Lalan Mundela Samakamunae après avec Mok et Yangomoko. Nana Ebisa de Konangai Kulutu. Moniba Projo Monakawana ou Bakindak avec fanfare, bon et bimambang Mawana. Ça veut dire que c'est bien organisé. Moutoumutaebi de à part Naena Kati. Olandina Chen, Boeti, ou Ebibenezo Bimanamba ou Pomoutoumutaebi déjà à cause de combien na Kati. Il y a un moment qui bima qui kembangwe prévaneke arena soka arena wana yango ane komo bima matiti likolo omo négocie la té et bimimbo nyonso mais melo etelemi personne ne se gêne, personne ne pose la question ya koyeba membo e bimi misale etelemi pona nini? Non non, tout le monde est à l'aise, on se croit qu'on est au paradis na mboka oyo Congo Airways. Moi ça m'étonne oyo tokuti. Kabila ne nous a pas laissé seulement que le mal comme on pense. Non. Si c'était seulement le mal, nayana mona batuba nani hôtel du gouvernement wana nayana mona ata batuba boyata ko kende ko siéger kuna ko sala ba réunion kuna. Donc il n'a pas laissé que le mal. Il est vrai mabezalaki mais il n'a pas laissé que le mal. Comment tokoki ko batela ta oyo tokutité? 4 appareils, quel que soit le problème qu'il y a eu, pourquoi on n'a pas pris soin, il y a qu'on refondé le Koana, qu'on pèse en gros la base pour que les Congomani bénéficient tout le temps de le Koana, tous à la l'aise. Non, non, tout ce qu'on a trouvé, c'est de créer comment le Koana va, on est incapable de faire ça, incapable d'assurer aux Congolais. Mais on est capable également de prendre soin de Otokoutiwana. Est-ce que vous trouvez ça normal? Congo Airways, 12 mois, il y a des agents qui ont fait un matékouna. Ils ont un avion, ils ont un agrément, ils ont un premier agrément, mais aussi les agents qui travaillent là-bas, 12 mois, ils père de famille, ils ont une charge et l'air dépendant. 12 mois, tu fais 12 mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se poser la question de savoir, bazo vivre ndengenini? Ça, on ne se gêne pas. Kende Abima. À l'époque, on voyait régulièrement Transco, madame. Bissonnion sont des tous arbres. Bima sont au monde à Transco. Personne ne se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Mais on a un problème sérieux de gestion. On a un problème. Donc, légèreté dans la gestion. Est-ce que c'est un problème d'homme? Tous ces accomplaisances. On ne sait pas punir, on ne sait pas frapper à Yibi. Ce qu'on a dit, c'est Yibi, complaisance, à la prison, un coup de fil. Mutuana kota kunate ou bien qui a sali une semaine. Mais il y a des gens condamnés parce que les faits sont établis, renvoyés en prison. Mais Bakeko Sala 4, 3, une semaine babimissier. Il n'a pas dit où est-ce qu'il a mis l'argent. Il n'a pas restitué non plus l'argent. Mais vous avez ça bamoussousou. Courage et continuez koyiba. Donc tout ce que vous trouvez comme un problème dans les entreprises de l'État, c'est le détournement, c'est le vol, c'est la complaisance des autorités qui ne veulent pas frapper dur. Très bien. Dans la société, il y a transport et autant pour la bière. Mais on est payé en quoi? Très bien, des conférences. Donc on a la fière que toi, Namboka, Nelokonini. Bendele que koyate, mais l'entreprise est au koya. Très bien, Ndeko Francis. Ndeko Trésor, est-ce que cette situation est impactée par les Congolais? Merci beaucoup. Je crois que je vais rester dans Moutouna vraiment et à Congo Airways. Et je serai très précis dans le dossier parce que je les maîtrise. Oui. Dossier à Congo Airways. Cette société, il fallait, tout ça qui n'a souci. Et le gouvernement à l'époque, en 2013, dans le Conseil des ministres, il a décidé qu'il fallait tout son baba avion, il y a Sika. Et à l'époque, c'est Matata Ponyo qui est Premier ministre. Il fallait tout son baba avion, il y a Sika. Et le projet a été délibéré en Conseil des ministres. On a adopté. On a dit il faut que ça là, Ndengenin. Non, il faut tout son baba 4 avions, il y a Sika. J'insiste sur baba avion, il y a Sika. Oui. Alors, il fallait que ça la collecte de fonds. Alors, dans quatre actions à Congo Airways, il y avait le gouvernement, l'OGFREN et la CNSS. Bâtir Mbongo pour que Basomba avion. Et celui qui se responsabilise pour aller négocier personnellement achat avion, c'est Matata Ponyo, qui va en Italie. Avec comme instruction, Somba avion et Sika. Mais qu'est-ce que lui a fait? Il est allé à une entreprise qu'on appelle Alitalia, à qui a sombi avion d'occasion. Ces avions d'occasion-là, déjà frappés d'interdiction de sillonner le ciel, il y a l'Union européenne Mobimba. Donc tous les pays, il y a l'Union européenne, les avions de Congo Airways étaient déjà frappés d'interdiction de sillonner. Mais Matata Ponyo a quand même acheté ces avions d'occasion. On les amène ici. On prend un avion pour un vol qui inauguré, c'est quoi Anouarite Sokingamba peut-être. On prend l'avion. Inauguration, et qu'est-ce qui est Kisangani ou je ne sais pas, quelque part, est tombé en panne. Un avion neuf. soi-disant, Bassombi, paf, vol inaugural, pouf, avion en panne, cloué au sol, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas la suite, il y a avion en an, et c'est trop. Congo Airways a évolué jusqu'en 2019. Et déjà, c'était des avions qui posaient sérieusement problème. Moi, j'ai eu à monter les avions Congo Airways, des avions avec un sérieux problème de stabilité dans les airs. Mais au moins, on arrivait quand même avec ces avions. Dieu merci. C'était des cercueils volants qu'on avait déjà achetés au départ. Au Yébi, durée de vie à avion Yassika, le minimum, c'est 30 ans. Si vous achetez un avion neuf, durée d'expérience de vie naillée, minimum, c'est 30 ans. Mais ces avions, on les a achetés en 2014. Et déjà en 2019, 2018, ces avions sont nous poser problème. Ça veut dire 7 ans, 8 ans après, ces avions commencent à nous poser problème. Et Tshisekedi arrive au pouvoir. Donc, il trouve une situation déjà inexistante. Il trouve des avions déjà foutus. En 2019, on envoie un avion en Égypte pour qu'on aille réparer. Et en 2020, l'avion est revenu. Donc vous allez comprendre que c'était déjà un mort-né. Congo Airways, déjà à la base. C'était un mort-né. C'était des cercueils volants qu'on nous a amenés. Et le président actuel hérite une situation comme ça. C'est comme ça qu'il dit, on va acheter des nouveaux avions. Et il y avait même un projet d'une nouvelle compagnie, je crois, Congo Air, une histoire comme ça. Ou Air Congo, voilà. C'était le projet, je crois, le projet, il est en cours. Mais il y a un problème ici. La commande des avions a été faite déjà en 2020. Mais j'aimerais ici vous informer qu'un avion ne s'achète pas comme un véhicule. Non. Quand on fait la commande d'un avion neuf, pour qu'on vous le livre, c'est entre 5 ans et 8 ans. Pour qu'on vous livre un avion, il y a 6 cannes à sachet. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas comme on est dans un magasin, au sommet Lamba. Non, il y a toute une procédure. Il faut bassaler l'avion, et ça prend entre 5 et 8 ans. Beaucoup de travail internet, combien de temps qu'il faut pour qu'on vous livre un avion neuf. Alors donc, c'est la situation dans laquelle on a trouvé Congo Airways, des avions qui ont fonctionné 7 ou 8 ans. Et Koufinango, parce qu'au départ déjà, c'est là qui frappait l'interdiction à Kouyagossioné, en Europe. Donc c'était un mort-né des cercueils volants que Matata Ponyo nous avait amené. Donc ceux qui écouffent, il fallait écouffer. Ici, il faut faire une rétroaction. Hein. Il faut qu'on puisse rétroagir. Que Matata Ponyo nous explique l'histoire des Congo Airways là, à la place à Kosovo, avion à Sika, Bila Bosombi, avion Yakala. J'ai fini définitivement, il a touché Makambouya Transco. Non, il faut être aussi informé. Lorsque le président de la République prend le pouvoir, il trouve Transco avec 44 bus. On se comprend. Lorsqu'il prend le pouvoir, il trouve Transco avec 44 bus. Mais lui, depuis qu'il a acheté 470 bus qu'on a dissimulés même en province. J'étais en Mbuji-Mayi, j'ai vu Transco. J'étais à Lubumbashi, j'ai vu Transco, et ici à Kinshasa, il y a des bus de Transco, mais ce sont des instruments ekoti kokufa. Et ça n'a pas amortissement, et ça n'a pas kokufa. Donc il ne faudrait pas dire ici que Bakouti Boé, Babomi Boé. Non, Transco avec 44 bus, et avec le régime actuel, on a acheté 470 bus. Et beaucoup de bus ont été amenés en Mbuji-Mayi, à Lubumbashi, et certains bus ici à Kinshasa. Ce n'est pas un débat, écoutez. Très bien, Transco existe, j'ai vu ça à Lubumbashi, j'ai vu ça à Mbuji-Mayi, j'ai vu Transco à Kananga. Et nous voyons des bus de Transco ici, quand bien même, par en fait, exercice, Babus Moussous les Okoufa. Je suis en train de plaider, va remplacer Yango. Mais Babus et Otozaki Nango avant, ah ouais, et comme il est belé. Ndeko Eri, est-ce que la situation des Congolais a impacté négativement les Congolais? Bien évidemment, c'est tout à fait normal qu'il y ait impacté parce que les Congolais n'ont pas moyen de se déplacer. Pour rappeler que le Congo Airways a créé 4 avions. Quand le chef d'État arrive, il avait trouvé des avions dont Trésor a parlé ici. C'était déjà cloué. Un d'ailleurs, en ma présence, c'était cloué à Goma, à l'aéroport de Goma. Je crois qu'à Anouarite. Et l'autre là, je ne sais pas. Bah, c'est désacraliser même le nom. Hein, des personnes qui ont vénéré, respect na bango, bombardier, alors que comme un avion à réacteur, c'est jeter d'opprobre sur leur mémoire. D'accord? Aujourd'hui, on nous appelle ça qui Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, on nous appelle ça qui Musée Laurent Désiré Kabila. Mais avion bosomi pona musée Laurent Désiré Kabila bosomi pona ba héros na biso mais ba ta ba avion oh neuf et ça ba avion d'occasion. Maman, mais qu'est-ce que vous voulez de la suite? C'est naturel en fait. Et puis les nombres exagérés, il y a un engagement dans l'entreprise, tout. Ça, c'est un défi majeur. Problème pour l'entreprise, parce que vous avez 4 avions, mais vous avez plus de 2000 employés. Mais est-ce que vous allez faire face à ça? Vous avez un PCA, conseil d'administration, tout ça. Mais des conseils d'administration, là, je rappelle ici que Congo Airways n'a pas de bâtiment. Mais Babiro n'a pas loué. Ils ont loué à la hauteur de combien? Et vous savez le mental des Congolais, quand on le dit louer, par exemple, un appartement de 2000 $, ce n'est pas 2000 $ qu'il va mettre sur la facture, ouais. C'est plus de 2000 $. Donc, tous ces problèmes-là, financiers, Congo et Zakutainango, Airways Zakutainango, le problème de gestion, ce n'était pas une gestion qui était axée sur le résultat, chose pour laquelle nous avons, la chose que nous avons aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises d'ailleurs, na Congo, ils ont souffert d'un problème. Voilà. Hein? Ils ont engagé à temps et à contre-temps. DGO a engagé sans pour autant jouer sur l'offre et la demande d'emploi aux une entreprise, les besoins que l'entreprise ressente. Ouais. Vous voyez un peu. Et bah, ministre a fait recommandation à temps et à contre-temps. Et s'il faut parler aussi du prix de billets, du coût de billets, quand on parle même des Transco. Aujourd'hui, Transco a des difficultés majeures. Hein? À tout moment, l'État est censé subventionner les Transco. Pourquoi? Parce que Transco n'arrive pas à supporter la charge. Il y a des employés et aussi il y a des consommables. Et moi, je plaide pour que le prix des billets de Transco puisse être revu à la hausse. Pourquoi pas 1000 francs à la place de 500? Au lieu de les rester sur 500, parce qu'avec 500, il n'y a rien. Transco ne réalise rien. Est-ce que l'État, l'entreprise est dépendante dans l'État? Je crois que non. L'État peut aller causer quelque chose de ces entreprises-là. Hein? Il faut aller aussi rentable. Donc, ici, nous, ça a impacté positivement, négativement la vie des Congolais, surtout parce qu'on ne sait pas se déplacer avec une compagnie nationale. Et nous plaidons à ce que membres du gouvernement, Maman Wajini Souminoa, Américain Pekotala, comment est-ce qu'ensemble, avec le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, comment est-ce qu'ils peuvent chercher même des partenaires ou des Congolais qui peuvent mettre encore l'argent pour que Congo Airways ou une autre société d'aviation et renaître encore des cendres de Congo Airways. Matondi Ndeko Eri, Matondi Ndeko Henri, Ndeko Francis, Ndeko Trésor. Merci, Banaï Bissuna Bandaku, Tokutani Bongo Lobby avec de nouvelles thématiques. Bon après-midi à tout le monde.